Bonsoir, bonsoir messieurs, dames, bonsoir chers frères et sœurs. Alors, je lance quelques invitations. Je lance des invitations à mes amis de Facebook. Alors, quelques-uns, parce qu'il y a... Je voudrais faire une étude biblique sur le livre de Pierre. Une bonne étude biblique sur le livre de Pierre. Voilà, j'invite quelques amis. Oh, bien là, ça fait deux fois que je les invite. Quelques amis. Mais il y a que ça se lance deux fois les invitations. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais lancer les invitations encore si je trouve du monde. Alors, là, hop. Ah, mais, ouais. Voilà, donc, voilà, j'ai lancé quelques invitations. Je continue. Bon, ben, c'est fait qu'on n'a pas tellement de visibilité sur Facebook. Alors, si je lance pas quelques invitations, il y en a, ils vont pas être au courant. Alors, des fois, ça peut faire plaisir. Voilà. Alors, j'en profite. Mmh.
La bonne parole de Dieu, la bonne Bible, la bonne, excellente parole de Dieu. La bonne parole de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, c'est pas moi qui joue là, c'est le piano. J'ai mis YouTube, un petit fond de musique là. Donc là, c'est pas moi qui joue. On pourrait croire. On pourrait croire que c'est moi qui joue du piano. J'invite nos amis, nos chers amis. Voilà. Alors, c'est pas évident pour. Ah voilà, il y a un... Bon, mais j'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes pas bien, mais j'espère vous faire du bien. Si vous n'êtes pas bien. Voilà, on est là pour se faire du bien. Voilà. Et il faut savoir qu'autrefois, l'Église se rassemblait tous les jours. Ils se rassemblaient tous les jours. Ils vivaient ensemble. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils vivaient ensemble autrefois. Bonsoir, bonsoir. La parole de Dieu. Ah oui, c'est YouTube. C'est pas moi qui joue. Je joue le piano. Mais j'aime beaucoup jouer la guitare, mais bon, je ne vais pas vous faire que des louanges et tout ça. Donc, c'est pour ça que je. Donc, bonsoir Manuela, bonsoir Isabelle, donc bonsoir David. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors voilà, ce soir, c'est une étude biblique d'un livre qui est fort, un livre qui est fort, qui est beau, qui est puissant, le livre de Pierre. Donc, bon, je me suis dit, on va pouvoir méditer ensemble et voir les pépites, les trésors qu'on y trouve dedans. Qui vont nous aider, à nous accompagner et pour qu'une semence soit déposée en nous, qui puisse grandir, croître et qu'on puisse s'épanouir et puis se faire du bien et pouvoir faire du bien aux autres, faire du bien autour de soi. Donc on va bientôt commencer. Quelle heure il est? 21h. Nous allons bientôt commencer. Voilà, j'invite juste quelques personnes. C'est dommage qu'on ne puisse pas inviter tout le monde en même temps sur Facebook. Parce que là, si on veut inviter, là, c'est du boulot. Bonsoir à tous. Ah, Manuela, elle a mal au cœur, elle a dit. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'arrive, Manuela? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais commencer. Alors, à la fin de l'enseignement, à la fin de l'étude biblique, je vous lirai un passage d'un de mes livres préférés, mais un court passage pour que ça reste sur vos cœurs. Ce sera le petit bonus de la fin, en plus de l'enseignement de ce soir. Je vous donnerai un passage
Et ça vous fera du bien, voilà, pour vous fortifier. Donc, alors, je vais prendre le livre de la Bible. Alors aujourd'hui, j'ai pris la Bible Thomson. Elle est un peu abîmée, ma Bible Thomson, mais c'est ma Bible Thomson. Donc, dans la Bible Thomson, je vais prendre l'épître de Pierre. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Le conseil que je vous donne, alors ça n'appartient qu'à moi, mais c'est d'avoir toujours avec vous une Bible papier, parce que la Bible papier est plus personnelle qu'une Bible numérique ou qu'une application numérique. Moi, je vous conseille d'avoir toujours cette proximité avec le livre, parce que le livre, l'objet, le livre, il vous appartient. Alors qu'une application sur un téléphone, un smartphone ou une tablette, c'est pas pareil. La Bible, vous pouvez la serrer contre vous, contre votre cœur. Vous pouvez la serrer. La Bible, c'est une relation vraiment avec le livre de Dieu. Et vraiment, je vous encourage à retrouver un petit peu la Bible comme autrefois, avec vraiment en ayant avec vous une Bible papier, même si elle n'est pas grande. Hein, vous pouvez avoir une Bible moins grande, mais vraiment, je vous encourage à avoir une Bible comme... C'est agréable d'avoir une Bible papier. Alors, donc je vais prendre... Alors en fait, je vais prendre le chapitre, c'est deuxième épître de Pierre. Alors, je vais prendre le deuxième épître de Pierre. Alors, voilà, on va prendre le deuxième épître de Pierre. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, Dieu de gloire, je te loue, je t'exalte et je t'aime, mon Dieu et Père. Merci de ce que nous pouvons en esprit nous unir. C'est vrai que on avait tendance à croire qu'on pouvait s'unir que par la présence, que par notre présence côte à côte les uns des autres dans une même pièce. Mais Père, nous savons aujourd'hui que de la même façon, tu peux nous unir à distance et nous sommes unis en esprit et que tu nous fais aussi du bien, énormément de bien par ce moyen-là. Et ça même, ça peut couper des barrières. Ça peut même rapprocher ceux qui autrement auraient eu du mal à se rapprocher. Ça enlève des barrières de raisonnement, d'entendement, de réflexion. Et ça permet de se réunir et de passer au-delà des frontières, Père, et de nous réunir au travers du monde, d'être chacun sur des continents différents, mais de pouvoir ensemble se réunir pour étudier ta merveilleuse parole. Père, je te prie de remplir ma bouche, de disposer les cœurs, de donner sagesse, intelligence, révélation, connaissance, Père, dans le nom puissant, merveilleux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir Brigitte, bonsoir Philippe, bonsoir Wamba, intact, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Bonsoir à tous. Alors, donc, l'étude se fait sur la deuxième épître de Pierre. Alors, donc je commence à lire ce livre que je trouve extraordinaire, que je trouve beau, je trouve ce livre beau, et je trouve que son auteur a une vie incroyable. Son auteur a marché avec Jésus. Son auteur a connu Jésus. Son auteur a marché avec Jésus avant d'être transformé par le baptême du Saint-Esprit. Et cet auteur-là a été métamorphosé par un puissant baptême du Saint-Esprit. Métamorphosé. D'un homme qui était craintif, qui avait peur, d'un homme qui se cachait,
il a été métamorphosé dans la chambre haute et il est devenu cet homme de Dieu qui évangélisait des foules et qui et les gens se convertissaient. Ça, c'est donc de savoir que c'est le livre de cet homme-là qui a parlé. C'est merveilleux de savoir qu'on a ça pour nous et qu'on peut le lire chaque jour autant qu'on veut. On a accès à ce livre, accès à la connaissance. Donc, je vais commencer la lecture du livre que Dieu nous a donné. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, donc là, on voit que Jésus est, et il est Dieu, il est Sauveur, il est Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, vous voyez, ça, c'est une bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, vous voyez ça, comment c'est... En fait, l'apôtre Paul commence par... Pierre commence par ces bénédictions, que la grâce et la paix. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit aussi rechercher. Si Paul nous dit que la grâce et la paix soient multipliées, c'est qu'en fait, on a déjà la grâce, on a déjà la paix, mais cherchons-en davantage. Cherchons-en davantage, cherchons à ce que la grâce soit multipliée dans nos vies et cherchons à ce que la paix soit multipliée dans nos vies. Parce que plus vous aurez de grâce, plus vous serez capable de faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dira, c'est la grâce en moi qui fait les choses que je fais. En fait, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est la grâce de Dieu. Alors, en réalité, la meilleure façon de marcher comme Jésus, c'est d'aller auprès du Père, auprès de Jésus-Christ, et de demander la grâce. Accorde-moi ta grâce, fais déborder ta grâce, Père, multiplie-moi ta grâce. Et quand on demande la grâce, on va au trône de la grâce. Dieu, c'est celui qui fait grâce. Et quand il donne les grâces, en fait, il donne ses bénédictions et il donne sa capacité, il donne sa force, il donne son autorité. Et voyez-moi, je vais vous raconter une histoire, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. Bonsoir, ma soeur Tante, depuis Cape Town, South Africa. Bonsoir, ma soeur. Donc, en fait, ce matin, je suis sorti de la prière. J'ai demandé des choses, mais il y a des choses que je n'avais pas demandées. Je n'avais pas demandé à Dieu de mettre le témoignage dans ma bouche et de me donner la grâce de témoigner lorsque je serai dehors. Je suis sorti dehors de ma chambre, je suis sorti de la prière, je voulais m'acheter une course, aller dans une petite boutique, un petit magasin. Et je suis passé devant un homme qui était pas bien, à côté d'un homme qui était pas très loin, qui était pas bien. Il faisait pas l'aumône, mais il était sur un banc. On voyait qu'il n'était pas bien. Et je me suis pas approché de lui. Je me suis pas approché de lui. Il avait une bière. Son regard n'était pas, accueillant. Son regard n'était pas accueillant, mais voyez, Mais ça aurait pas dû me freiner. Il ne faisait pas l'aumône. Il buvait une bière. Il était assis sur un banc. Mais j'ai senti à ce moment-là qu'il me manquait une grâce, que j'avais pas dans ma prière demandé quelque chose à Dieu pour cette journée, pour être un témoignage pour cet homme. Et
Je suis passé devant lui, à côté, pas devant lui, mais à côté, je lui ai dit bonjour, j'ai dit bonjour, mais j'ai rien fait pour lui. Après, je suis reparti et quand je suis rentré à la maison, je m'en voulais, j'ai demandé pardon à Dieu dans la prière. Et je me suis rendu compte que chaque jour, en fait, c'est une prière à formuler, c'est de demander la grâce à Dieu de pouvoir parler à quelqu'un, d'être capable d'avoir ce courage, cette force, et ça, c'est la grâce de Dieu, de penser, de voir l'autre comme Dieu le voit, et de voir le besoin, le trouble des autres lorsqu'on passe à côté. Et si la grâce est multipliée en nous, et si nous demandons ce qui est nécessaire pour l'évangélisation, eh bien, si on demande ce qu'il faut à Dieu le matin, si on lui demande vraiment ce qui contribue à faire l'avancement de son royaume, eh bien, Dieu nous le donne. Mais si on oublie, eh bien, lorsqu'on se retrouve dans des situations, si on oublie de le demander dans la prière, on se retrouve après dans des situations où on n'a pas le courage de témoigner, où on n'a pas le courage d'aller vers ceux qui ont besoin de nous. Moi, si j'étais dans la rue, je souffrais, j'aurais besoin que quelqu'un vienne me consoler. Même si je ne suis pas le plus accueillant envers lui, ça me ferait toujours du bien que quelqu'un vienne me consoler. Alors c'est pour ça que avoir cette grâce, avoir cette paix. La paix, c'est tout le contraire du trouble. Quelqu'un qui est dans le trouble, il est dans la crainte et il va redouter le mal que on peut lui faire, que les hommes peuvent lui faire. Et en fait, si vous avez la grâce et la paix, comme en parle Pierre, et on voit que c'est vraiment la première chose qu'il dit, enfin, il parle de Jésus-Christ, sa divinité. Et ensuite, il parle de la grâce et de la paix, qu'elles soient multipliées. Parce qu'autrement dit, quand on est dépourvu de grâce et de paix, on ne sait pas faire l'œuvre de Dieu. On a besoin, donc c'est vrai, de la puissance du Saint-Esprit, mais on a besoin de cette grâce. On a besoin de cette paix. Et c'est ça qui nous donne cette capacité d'aller vers ceux qui ont besoin de nous. Et d'être capable de s'avancer vers les autres. Donc, je confesse mon tort souvent, j'ai beaucoup allé vers ceux que je vois comme ça, mais quand je ne le fais pas, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux et ma conscience m'accuse. Donc, la meilleure façon de ne pas avoir une conscience qui nous accuse, eh bien, c'est de se préparer pour servir Dieu dans notre journée, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut rencontrer quelqu'un dans un immeuble, dans un couloir, on peut rencontrer quelqu'un surtout en Afrique, là-bas, il y a du monde partout. Nous, en Europe, on a des coins dans les villages où il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a des endroits, il y a du monde partout. Mais c'est vrai que c'est important de demander à Dieu de tout l'équipement nécessaire, à la grâce nécessaire, à la paix nécessaire pour le servir, que quand il y a quelqu'un qui souffre dans la rue, on puisse aller vers lui. Donc voyez, rien que ça, l'épître de Pierre est importante à méditer. Alors c'est vrai qu'on retrouve souvent cette salutation, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais ce n'est pas qu'une politesse de courtoisie, une forme de politesse ou de courtoisie, c'est quelque chose de vraiment très très fort. Ensuite, il a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. En fait, la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu qu'on a, un, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la présence du Père et du Fils,
Donc, c'est voilà, dans la présence du Père et du Fils, et deux, dans la lecture, mais surtout, 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 dans la méditation. C'est dans la méditation qu'on reçoit la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, et qu'on peut vraiment cerner, connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître son plan pour nous, dans l'œuvre, en tant qu'enfant de Dieu, et savoir exprimer aux autres l'amour de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, c'est savoir aussi exprimer aux autres la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour tous les hommes. Voilà. Donc, oui, il y en a, ils ont des mauvaises connexions, en fait, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, en fait, la grâce et la paix nous sont multipliées par la méditation, la connaissance de Dieu dans la prière et aussi par la méditation. Donc, vous voyez comment vous pouvez recevoir, si vous vous privez de la prière, si vous vous privez de la présence de Dieu, vous vous privez de la grâce et de la paix, et vous vous privez de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, en fait, c'est ce qui change entre un peuple qui ne sait rien ou un peuple qui sait très peu de choses avec un peuple qui est comment dire, en fait, vous savez, parmi les enfants de Dieu, ceux qui sont spirituels, il y a ceux qui sont des enfants spirituels et ceux qui sont mûrs spirituellement. La meilleure façon pour être mûr spirituellement, eh bien, c'est de passer du temps avec Dieu, de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, et c'est là que Dieu donne cette connaissance et qu'il vous fait devenir plus solide, plus fort. Donc, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue. Ah non, là, je suis plus loin. Alors, donc j'en étais donc, à ce verset, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que même si le Père et le Fils font un, sachez discerner, pardon, sachez avoir l'amour pour le Père et l'amour pour le Fils. Même s'ils sont un, même si Dieu est un, mais sachez toujours, quand vous êtes en prière, avoir un cœur pour Jésus et avoir un cœur pour le Père. Parce que la Bible dit bien, nous avons communion avec le Père et avec le Fils. Donc moi, dans ma méditation, dans ma prière, j'ai des temps où je suis avec Jésus, vraiment où je suis avec Jésus et je suis dans une relation avec Jésus. Et j'ai un temps où je suis en relation avec le Père au travers de Jésus. Alors, c'est une distinction qu'on ne veut pas toujours forcément mettre en évidence, mais moi, je vous dirais que c'est important. Même s'il y a une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Bible quand même toujours fait une distinction, et c'est important d'avoir une communion avec le Père et une communion avec le Fils. Et ensuite, il y a même une communication avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est important parce que ça enrichit votre vie spirituelle. Ça enrichit votre force, votre solidité. Et ça, c'est un... Si je vous dis ça, c'est lié aussi à la connaissance, justement, que Dieu donne. Souvent, on peut être confus en disant, ben non, vu que Jésus le Père, c'est le même, bon, on ne fait pas de distinction, donc on va parler qu'à Jésus. Mais en réalité, on voit très bien que dans la Bible, c'est important de parler à Jésus et aussi de parler au Père. Donc ça, c'est ma conviction,
C'est ce que je reçois de la Bible. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est vrai que la Bible ne ment pas, mais par contre, tout le monde n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, au début, au commencement, quand les églises ont commencé, tous les enfants de Dieu étaient bien encadrés pour s'assurer qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. S'ils ne l'avaient pas reçu, on venait, on priait pour eux, on leur imposait les mains, et ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Il se peut très bien que des chrétiens, des enfants de Dieu, n'aient pas le baptême du Saint-Esprit et qu'ils n'aient pas toute cette puissance dont parle l'apôtre Pierre. Donc, quand on sent qu'on se sent faible, qu'on n'a pas cette force, eh bien, passez du temps dans la prière, demandez la bénédiction à Dieu, demandez la puissance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, demandez ces choses-là et cela vous aidera face à vos situations, tout aussi complexes soient-elles, face à vos difficultés, face à la vie, à tout ce que vous réalisez dans vos journées, toutes les choses que vous devez faire, eh bien, demandez d'avoir cette puissance, cette force, cette autorité, demandez-le. Parce que l'apôtre Pierre a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Mais pour ceux qui ont été fragilisés, parfois par le péché, par une chute, par un éloignement de la vie spirituelle, qui ont perdu de la force, eh bien, revenez à Dieu, revenez à Jésus-Christ, et puis, demandez cette puissance, demandez cette force pour qu'elle vous soit redonnée et que vous puissiez ne pas vous continuer à vous épuiser sur votre propre force, mais que Dieu vous donne sa force. Parce que c'est vrai que on peut s'épuiser quand on rentre dans des principes avec des mauvaises pensées, lorsqu'on a des mauvaises pensées, lorsqu'on a eu des mauvaises rencontres, on a reçu des mauvaises paroles, lorsqu'on a reçu des déceptions, des déboires, on finit par se vider de son énergie, même si on a eu de l'énergie, on peut se vider de son énergie, et on a besoin d'aller à la source, d'aller à Dieu, pour qu'il communique sa vie, sa force, sa puissance, son autorité sur toi. Donc, demandez d'avoir cette puissance divine. Demandez-le. Sa divine puissance vous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Et en fait, c'est grâce à la puissance divine qu'on a cette capacité de vivre une vie pieuse. En fait, beaucoup souffrent de ne pas pouvoir vivre une vie pieuse comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas cette puissance-là. La puissance divine permet de vivre cette vie pieuse. Moi, je n'ai pas été baptisé pendant du baptême du Saint-Esprit pendant des années. Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon pasteur pour lui demander de me baptiser. Alors, il m'a dit que j'avais reçu. Bon, je l'ai reçu par la foi. Il m'a dit que je l'avais reçu. J'ai parlé en langue et tout ça. Et moi, je redemande des renouvellements, je demande le baptême du Saint-Esprit pour servir Dieu, parce qu'il y a besoin de puissance, on a besoin chaque jour, on a besoin de témoigner, comme cet homme sur le banc où je ne lui ai pas parlé, mais ça ne va pas. Il faut que chaque jour, je sois bien disposé, chaque jour sans exception. Il faut que
chaque jour, je me trouve à des situations et que chaque jour, je sois bien disposé pour le moment que Dieu a choisi. Et pas que je me retrouve après à dire « Ah, mais j'ai rien fait, ah, j'ai pas agi comme il faut. » Donc ça, c'est vraiment... Et c'est cette divine puissance qui permet de vivre une vie de piété. Autrement dit, quand il y a ce revêtement de puissance, on lutte plus puissamment contre le péché. On lutte avec plus de puissance contre le péché. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et donc Dieu nous donne la divine puissance et il nous fait connaître son Fils. Il nous fait connaître son Fils Jésus-Christ, en fait. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut lire la Bible en se disant « on a tout reçu ». Mais c'est une erreur. Parce que parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on a perdu quelque chose. Parfois, on a été vidé. Parfois, on a été tellement bousculé. On s'est trouvé dans des chemins où il ne fallait pas se trouver. On s'est trouvé dans des situations où il ne fallait pas se trouver. Mais on n'a plus cette chose-là. Et on sent qu'on n'est pas en phase avec ce que dit la Bible. Et tout simplement parce qu'il y a des moments où effectivement, on ne l'a plus ou on ne l'a pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut demander. Il faut demander, il faut renouveler avec Dieu, par exemple, l'alliance, celui qui s'est éloigné, celui qui s'était refroidi, celui qui a péché trop longtemps et qui, pendant des mois peut-être, et qui avait abandonné la vie chrétienne. Un jour, deux jours, une semaine, un mois ou trois mois ou six mois ou un an, le tout c'est de se redonner dans une alliance à Dieu en disant « Père, je suis dans cette alliance avec toi, je reformule cette alliance avec toi, je me réengage dans le nom de Jésus. Je me réengage dans le nom de Jésus. » Et tu demandes la puissance à Dieu. Tu demandes la force à Dieu, tu demandes la grâce. Père, donne-moi la grâce au nom de Jésus. Père, donne-moi la paix au nom de Jésus. Lave-moi, esprit, âme et corps, purifie-moi. Je te demande pardon pour m'être éloigné. Je te demande pardon pour mes désobéissances. Mais lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi par le sang de Jésus, par le puissant. Saint de Jésus, j'ai la victoire, Père, au nom de Jésus. Amen. Par elle, donc par la puissance de Dieu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. En fait, quand tu reçois la puissance de Dieu, Dieu dit que tu reçois des promesses. Quand tu as reçu la puissance de Dieu, tu as reçu les promesses certaines, peut-être pas toutes, parce que tous dons ne sont pas systématiquement donnés en même temps que tu reçois la puissance. D'autres peuvent venir plus tard, mais les promesses, beaucoup de promesses, certaines promesses te sont données quand tu reçois la force de Dieu. Alors la force, ça peut être aussi une grande joie. Sa force, ça peut être une grande paix. La force, c'est pas simplement être fort. La force, ça veut dire aussi être énormément joyeux, ça peut être énormément enthousiaste, être énormément passionné de la Bible, ça peut être généreux, énormément généreux. Il y a plusieurs dons qui peuvent se manifester comme étant une force. Il y a un cantique qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Donc, la joie aussi est une force. Donc, tu peux recevoir certaines forces sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ces forces sont là pour te garder en attendant que tu reçoives aussi d'autres forces qui, elles, sont bien des vraies forces spirituelles. Donc, il y a vraiment au mot à mot, la force spirituelle, c'est vraiment la force, hein, mais la joie est une force, la paix est une force, l'amour c'est une force extraordinaire aussi, le don de guérison c'est une force aussi. Donc en fait, tout don en soi sont d'une force surnaturelle.
Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Donc, ça faisait partie d'un plan de Dieu depuis longtemps, de baptiser du Saint-Esprit, de donner la puissance à ses enfants. Ça fait partie d'une promesse que Dieu avait faite depuis longtemps. Afin que par elle, par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, dès que vous recevez les forces de Dieu, dès que vous recevez les dons de Dieu, vous participez, vous devenez en vous, vous devenez des œuvres divines. Vous devenez chacun en particulier, vous devenez des œuvres divines. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un pot de terre, mais vous êtes déjà un pot avec la nature divine. Vous avez déjà en vous l'éternité. Vous êtes déjà dans l'éternité, car Jésus étant en vous, il est l'éternité, Jésus est l'éternité. Et quand il habite en vous, vous êtes déjà non pas seulement en communion avec l'éternité, mais vous êtes déjà entré dans l'éternité. Donc vous êtes devenu participant de la nature divine. La nature divine, c'est quoi ? La nature de Dieu, c'est l'éternité, mais la nature de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Et en fait, la Bible dit bien que les enfants de Dieu deviennent des dieux. Alors bien sûr, pas des grands dieux, c'est des dieux avec un petit d, mais les enfants de Dieu deviennent des dieux. C'est pour ça qu'on les appelle des saints, parce que saint, être saint, c'est une chose impossible pour des personnes qui n'ont pas reçu le miracle de la nouvelle naissance. Mais devenir des dieux, c'est possible lorsqu'on a reçu la nouvelle naissance, on a revêtu la nature divine, on est entré dans l'éternité, mais revêtir la nature divine, c'est avoir quelque chose de divin. Et pour être divin, mais il faut être de Dieu. Et toute personne qui est de Dieu, donc il y a le grand Dieu, le bon Dieu, et nous sommes, nous, des petits dieux, des dieux. Avec un D minuscule, je le rappelle bien, parce que c'est aussi la Bible qui l'enseigne. Donc, pourquoi dire cela? Est-ce que c'est important? Parce que ça nous permet d'ancrer notre nationalité divine, je dirais, mais notre citoyenneté divine, ça permet d'ancrer, surtout d'ancrer cette nouvelle identité d'enfant de Dieu et de nature divine, c'est-à-dire un enfant de Dieu avec une nature divine, avec cette nature qui est déjà entrée dans l'éternité, et nous sommes déjà éternels. Éternité parce qu'habitée en nous par Jésus-Christ. Donc cette identité, elle est super importante parce que c'est le sujet de notre foi, et quand ce sujet est traité et qu'on le médite, quand on réfléchit à notre identité, qu'on positionne notre identité, qu'on ancre notre identité, qu'on se rappelle notre identité jour après jour, plus on s'en rappelle et moins on l'oublie. Rappelez-vous donc de votre identité, de votre nature divine. Donc toi, ma sœur, tu as la nature divine. Toi, mon frère, tu as la nature divine. Tu as la nature divine. Voyez ça comme ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, avoir la nature divine. Jésus-Christ en nous. Jésus au-dedans de moi. Jésus au-dedans de toi. Ce miracle, il est là. Et ça, l'enseignement, comme ce soir, il permet de fortifier nos croyances. Il permet que lorsque vous avez des journées comme ça chargées, vous vous souveniez de votre croyance, vous rappeliez votre croyance, vous rappeliez votre identité, votre nature divine. Et voyez comment c'est important, la Bible. Voyez comment c'est important de la méditer ensemble. Si tu te couches avec cette pensée, j'ai la nature divine, je suis de Dieu,
Je suis un petit Dieu. Je suis un Dieu. Je suis Dieu. Un Dieu. Un petit Dieu avec un D minuscule. Nous sommes tous des petits dieux parce que nous sommes à l'image de notre Père et comme il nous a donné la nature divine, nous sommes de Dieu. Alors bien sûr, c'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour bien ancrer cette identité. Donc, si on s'enorgueille, on n'a pas vraiment bien la nature divine, hein, parce que pour bien ancrer cette croyance, il faut surtout se dépouiller de l'orgueil, parce que sinon, une telle révélation pourrait vous nuire. Mais si vraiment vous êtes vraiment vous aimez beaucoup plus, je dirais, l'humilité et l'humilité, vous n'aurez pas de problème à ce qu'on vous dise que vous avez la nature divine, vous êtes parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes de Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, parce que c'est notre privilège, vous voyez. Donc c'est génial, c'est notre privilège de pouvoir se dire « j'ai la nature divine ». Parce qu'en regardant à gauche, à droite, en ne regardant qu'aux choses matérielles, on finit par ne pas y penser, on finit par se dire « ben moi je suis comme lui ». Je suis comme lui, je marche de la même façon que lui, je marche de la même façon que lui, je parle comme lui. De quel droit je peux dire ça? Et pourtant, nous sommes ce que nous sommes différents. Nous sommes différents, nous marchons comme eux, nous achetons comme eux, nous parlons comme eux, mais nous avons une nature divine, alors que eux, n'ont pas cette nature divine. Voyez comment ça change tout. On a cette nature. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, nous sommes participants de la nature divine. Et c'est vrai que plus on est rempli de Dieu, plus on a de sa nature. Plus on a de sa nature divine, plus on est habité du Saint-Esprit, plus on a de sa nature divine. Plus on marche, comme je l'enseignais hier, dans l'obéissance, plus Dieu nous remplit parce qu'il se réjouit en nous. Comment est-ce que fait Dieu pour quitter un lieu? Pour quitter un lieu, Dieu le quitte lorsqu'il y a le péché. Lorsqu'il y a le péché dans une habitation, Alors, en partie, c'est vrai que on est scellé, mais quand il y a le péché, l'habitation de Dieu se recule, Dieu s'écarte. Et la meilleure façon de trouver l'habitation de Dieu en nous et d'être toujours plus revêtu de la présence de Dieu, mais c'est d'écarter les choses sales, souillées, les choses saintes. Et si tu restes dans des choses saintes, mais Dieu vient habiter en toi. Il vient habiter en toi. Si jamais tu te détournes, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas rester comme ça sans rien dire, sans bouger. Il va pas approuver, il va se retirer. Donc la meilleure façon de bénéficier des promesses, c'est d'avoir le maximum de cette nature divine. Eh bien, c'est d'avoir toujours plus de promesses, parce que les promesses, on ne les reçoit pas toutes en même temps. Les promesses, les bénédictions, elles viennent aussi avec les étapes de notre vie spirituelle. Dans les étapes, dans la croissance spirituelle, tu vas atteindre des niveaux, step by step, comme ils disent les Anglais, pas à pas, tu vas monter de niveau et tu vas atteindre passer à des étapes supérieures. La vie spirituelle, c'est vrai qu'elle est faite de niveaux, parce qu'en fait, quand on reste toujours au même niveau dans la vie spirituelle, on sent qu'on n'est pas bien. On sent qu'on est... si on n'évolue pas dans notre évangélisation, si on n'évolue pas dans notre vie de prière, si on n'évolue pas dans notre vie de jeûne,
si on n'évolue pas dans notre consécration, ben, en nous, on devient triste. Alors, on va s'agiter à faire des choses, mais au fond de nous, on sait très bien que ces choses-là périssent. Alors que les choses éternelles, celles où c'est vraiment Dieu qui nous amène dans une étape supérieure, par le biais de ses promesses, de ses bénédictions, on sent que ces choses-là ne sont pas trompeuses. Donc en fait, la puissance divine se manifeste souvent dans cette séparation, dans cette consécration, et c'est des choses excellentes. Alors je relis ce verset parce qu'il est trop fort. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça que je veux vous laisser dans la méditation. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, dont la puissance de Dieu nous aide aussi à servir Dieu, mais à se tenir à l'écart du mal. La puissance de Dieu, pour ceux qui l'ont, a un énorme avantage. Elle a un énorme avantage. C'est pour ça que, mais quand on en a besoin, même je dirais que même quand on ne l'a pas, eh bien, au moins la vie de prière en elle-même est une puissance. La vie de prière vous donne la vitamine spirituelle, le jeûne, tout ce qui contribue à la piété, servir Dieu, faire du bien autour de soi, ça contribue à cette puissance-là. Si jamais tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, si tu ne reçois pas le baptême de feu, sache que de toute façon, la prière, la vie de prière, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, ou que tu passes 3 jours dans la prière, de toute façon, tu auras toujours, toujours, toujours des bienfaits. Aucun temps passé dans la prière n'est perdu. C'est vrai que dans notre société où on ne prend pas le temps, on pourrait se dire, mais je ne peux pas me permettre de passer une journée dans la prière. Je ne peux pas me permettre de passer 3 jours dans la prière. Mais pourtant, je suis convaincu que quand tu passes une journée des heures dans la prière, tu en as un privilège, un bénéfice, c'est certain. Et c'est comme ça que Dieu peut te permettre d'avoir accès à des choses qui te sont peut-être bloquées et à recevoir ce que par ailleurs tu n'arrives pas à faire par tes propres forces. Donc, et cette puissance permet donc de se tenir éloigné de la corruption parce qu'elle nous tient éloigné de la convoitise. Quand tu as cette vie de Dieu en toi, la convoitise, elle ne t'attire pas. Si tu demeures dans la présence de Dieu, dans une vie avec cette présence de Dieu, que tu la gardes, tu la chéris, la convoitise, quand elle va se présenter, ça va pas te plaire. Par contre, si tu es vide de la présence de Dieu, si tu as très très peu de présence de Dieu en toi, la convoitise va de suite te happer et elle va te convaincre. Elle va te convaincre jusqu'à ce que tu consommes et jusqu'à ce que tu puisses dire « j'ai péché ». Donc, mais il y a seulement la proximité avec Dieu qui permet, et donc ce revêtement, être rempli du Saint-Esprit, donc on voit que c'est vraiment une nécessité, si bien que c'était aussi la nécessité pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Il y avait besoin de cette puissance pour enseigner le peuple de Dieu, et il y a besoin de ça aussi pour évangéliser. Quelqu'un qui va se lancer comme ça, et puis avec ses propres moyens pour évangéliser sans avoir, bien, il va s'épuiser, ce qui est fait, c'est bien. Quand quelqu'un est sauvé, c'est bien. Quand quelqu'un arrive à, quand tu parles, c'est bien. Mais quand tu as la puissance de Dieu, c'est beaucoup mieux.
Moi, j'ai fait beaucoup d'évangélisation où je n'avais pas assez de puissance de Dieu, mais je l'ai fait quand même et je pense que c'était important. Donc, tout ce qu'on peut faire, faisons-le. Et puis après, ben, allons dans la prière pour demander à Dieu. Ben, c'est vrai que même si on ne l'a pas, eh ben, faisons quelque chose. Comme j'ai dit moi, pendant des années, je dis, ben, même si je ne l'ai pas, je te servirai. Même si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, eh bien, je ferai et je parlerai. Et puis, tant pis, ben, en attendant que je l'ai plus tard, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, et ça s'est passé comme ça. Donc, voilà. Donc, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise du monde. Donc, l'amour du monde, en fait. En fait, plus tu gardes l'amour de Dieu, et moins tu as l'amour du monde. Plus tu as l'amour de Dieu, l'amour de ce qui touche le domaine, le royaume de Dieu, eh bien, plus l'amour du moins l'amour du monde n'a de pouvoir sur toi, de force sur toi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se soutenir, de s'aider et de s'exhorter, de s'encourager, de se soutenir les uns les autres, de se donner une bonne influence les uns sur les autres, d'être des bons témoignages les uns pour les autres, ça c'est vraiment important, et être des témoignages de foi. Être des témoignages de foi les uns pour les autres, ça c'est important. Et puis, d'oser s'aimer. Je dirais que nous, ce qu'il faut qu'on sache faire, c'est toujours être capable d'aimer davantage, de sauter les barrières, de briser les forteresses d'entendement et de savoir s'aimer les uns les autres. Je crois que la meilleure façon de vaincre, la meilleure façon de gagner, d'être des vainqueurs dans nos vies, c'est de savoir manifester toujours plus d'amour envers notre prochain, envers Dieu. La force de l'amour, c'est vraiment de s'ouvrir pour aimer toujours plus l'autre et surtout aimer toujours plus ceux qui nous sont différents, ceux qui sont différents de nous. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, je voudrais rester là-dessus, parce que c'est vraiment déjà bien. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir parlé de la grâce, de la paix, la connaissance de Jésus, du Fils et du Père. Nous avons parlé de la divine puissance. Et ça, je pense que c'est déjà bien. Pour terminer cet enseignement, je voulais vous lire un passage d'un livre. Le passage d'un livre. Alors écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Je suis là avec vous, aussi réellement que j'étais autrefois avec mes disciples. Je suis là pour vous aider et vous bénir. Je suis là pour ne jamais vous quitter. Commencez-vous à comprendre, mes enfants, qu'il s'agit pour vous de la bénédiction suprême de la vie? Je pardonne comme vous me l'avez demandé, toutes vos défaillances passées, mais aujourd'hui faites un nouveau départ. Méditez mes paroles, mettez-les résolument en pratique, oui, résolument. Ce faisant, vous apercevrez que vous accomplissez des miracles parce que vous travaillerez avec moi pour moi. Et souvenez-vous toujours qu'il ne s'agit pas tant de faire que d'être. C'est là tout le secret de la puissance qui opère des miracles. Mon esprit doit vous transformer et vous conduire de connaissance en connaissance, toujours à nouveau. Vous rejetterez ce qui est dépassé pour tendre à plus de perfection.
et vous serez ainsi transformé peu à peu à mon image. C'est beau. C'est c'est un beau texte magnifique. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un beau texte magnifique. C'est vraiment très lié au sujet de ce soir, je trouve. C'est vraiment très, 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 très lié. Donc, voilà, mes frères et sœurs, nous avons eu Pierre. Alors, on n'a pas été très loin dans la lecture parce que je suis un peu long. J'ai été volontairement un peu long sur ce sujet, sur cette introduction. Mais on continuera ensemble donc le livre de Pierre. On continuera l'étude biblique du livre de Pierre ensemble parce que je veux rentrer avec vous vraiment en profondeur. Je pourrais faire un enseignement léger, mais l'idée c'est de faire vraiment un enseignement en profondeur pour creuser les perles de la parole de Dieu, pour vous donner quelque chose qui soit consistant et qui soit bien en profondeur. Je vous souhaite vraiment de vous souvenir que vous êtes, que vous avez la nature divine, que la nature divine, elle vous appartient, c'est votre identité, vous êtes de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils et fille de Dieu, et vous avez revêtu la nature divine par les promesses que Dieu a données. Vous avez la grâce, vous avez la paix, mais la Bible nous montre que vous pouvez demander plus de grâce et que vous pouvez demander plus de paix. L'apôtre Pierre dira qu'elle vous soit même multipliée. Donc, demandez et équipez-vous pour que chaque jour, quand vous sortez, vous sachiez regarder celui qui a besoin de votre secours, de votre aide, qui a besoin de paroles, qui a besoin d'amour, d'affection, et que vous ne soyez pas craintif. Demandez la grâce de ne pas être craintif et de savoir en toutes circonstances être capable d'ouvrir la bouche et faire du bien à celui que Dieu met en face de vous. Donc ça, ce sont vraiment mes conseils du jour ou du soir. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. L'enseignement sera sur ma page Facebook. Vous pourrez le réécouter tranquillement. Vous pouvez aussi écouter les enseignements qui ont précédé, l'enseignement de hier aussi, qui est vraiment très très bien. Donc voilà. Si vous voulez faire un don pour me soutenir, m'encourager, eh bien, je vous mettrai le lien PayPal. Voilà, vous pouvez faire un don par PayPal, quel que soit le pays dans lequel vous résidez. Vous pouvez installer PayPal sur votre smartphone et puis voilà, vous pouvez faire un don. Je vais mettre en place un site internet où je vais proposer donc ça va être des formations un petit peu de coaching spirituel. Le but c'est de faire des personnes solides, qu'on puisse être ensemble, passer du temps ensemble et vous donner une formation solide. Alors j'ai lancé le projet il y a maintenant une semaine à peu près. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous regardez sur mon mur, j'en ai parlé, il y a quelques détails. Et si vous êtes intéressé, ben vous m'envoyez un email à Yehoram le prédicateur. Et ici, @gmail.com. Oh. Voilà, vous m'envoyez un email. Et je vous mets sur la liste. Et ensuite, prochainement, je vais envoyer un email où vous allez pouvoir vous inscrire et pour pouvoir participer à cette première formation. Donc vous avez le détail sur ma page Facebook, il y a pas mal de détails. Et donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre écoute.
Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo, à partager. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, peut-être à demain, peut-être à demain soir. Donc, voilà, on a tellement de choses à partager ensemble. On a tellement besoin de se soutenir, de se faire du bien pour être fort. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, et tout le peuple dit Amen. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment et puis à très bientôt. David, je m'occupe de bientôt d'envoyer l'email pour pour que vous puissiez entrer sur l'espace de formation, l'espace membre. Il y aura, voilà, une page de capture où tu pourras laisser ton email, faire le règlement en ligne et ensuite commencer la formation. Les vidéos seront mises au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, tu pourras aller voir sur l'espace membre, vous pourrez aller voir sur l'espace membre et vous aurez les vidéos qui viendront s'ajouter. Ce sera, voilà, au fur et à mesure, les vidéos viendront s'ajouter et vous pourrez suivre les enseignements. Ça sera 10% je dirais beaucoup de pratique. Voilà, je vais pas faire un pourcentage, mais ça sera beaucoup de vie chrétienne pratique. Parce que bon, souvent, dans les églises, on fait de l'histoire, on fait de la théorie, on raconte beaucoup de choses, mais on ne nous apprend pas à passer à l'action. Donc, cette formation, c'est la première formation pour vous donner le goût à la formation. Et ensuite, je vais préparer d'autres formations qui seront plus longues. Mais je vous en dirai un petit peu plus. Donc, si vous voulez profiter de l'offre, eh bien, inscrivez-vous, enfin, envoyez-moi un email et je vous mettrai sur la liste. Alors, la formation, là, aujourd'hui, elle est à 57 euros. C'est une formation à 57 euros. Vous aurez vraiment du contenu, des sujets pour vous mettre vraiment, pour vous dynamiser dans votre vie chrétienne spirituelle. Et puis voilà, ensuite, là, je vais préparer après une autre formation. Je préparerai une formation qui, elle, sera un petit peu, ce sera la formation, comment dire, plus étoffée, quoi. Ça sera une version plus grosse, une grosse formation. Et là, bon, voilà, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, et puis moi, ça, c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, et c'est aussi cette mission de vie me porte, de vous enseigner, ça me porte, de vous enseigner, ça plaît à Dieu. Et puis, ça va nous aider tous, et puis ça va être une grande famille. C'est déjà une grande famille, mais je veux dire, on aura une relation aussi particulière, privilégiée pour ceux qui participeront à ce projet. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et puis sachez qu'en participant à la formation, vous m'aidez aussi, vous semez dans ma vie, vous semez et ça va m'aider à bénir d'autres personnes puisque je vais pouvoir mettre en place le site internet. Je vais faire un site internet pour aider les enfants de Dieu, tous ceux qui savent parler le français sur d'un point de vue international, puisque que ce soit des, donc, je sais pas, dans tous les pays où l'on parle le français, on pourra aller sur ce site internet, on pourra se former, on pourra apprendre, on pourra trouver des conseils. Ça sera un site, bon, de formation. Ce sera pas qu'un site d'enseignement, ça sera un site de formation, c'est-à-dire vraiment pour avoir des vraiment quelque chose de clair et qui, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, plus clairement, plus loin et qui veulent passer à l'acte, qui veulent passer à l'acte. Donc voilà. Donc ceci étant dit, c'est super important que je vous en parle parce que c'est vraiment, ça me tient à cœur. Et puis c'est l'œuvre de Dieu. Donc, laissons faire Dieu, laissons agir Dieu, et puis voilà. Donc, je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus,
Et sachez que vous avez la nature divine. Ne l'oubliez pas, même si vous marchez comme celui qui est à droite et même si vous marchez comme celui qui est à gauche, ou si vous avez la façon de parler, bon, voilà, qui est à peu près la même, mais vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes de nature divine, vous êtes de Dieu. Vous êtes déjà entré dans l'éternité. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Amen. Bonsoir Joël, que Dieu vous bénisse abondamment.